Ouais, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue pour un nouvel épisode sur Satisfactory, et bienvenue pour la suite de cette saison 2. Qu'est-ce que tu fous sur ma pompe, toi? Bref, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite, alors que nous avons commencé à retravailler encore un petit peu cette zone industrielle de haute qualité. Voilà, et en attendant, qu'est-ce que j'ai fait de mon côté en off? J'ai réajusté 2-3 petits principes, notamment j'avais pas fait tous les réglages au niveau des apports en ressources, au niveau de ma fonderie. Maintenant c'est fait, c'est chose faite. J'ai réajusté tout ça, il y a plus d'eau qui vient, etc. Encore une fois, c'est dans la théorie, pour le moment on n'est pas encore à un débit suffisant, mais ça ne serait arrivé à un moment ou à un autre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer un petit peu ce que nous avons à faire de manière générale. Première étape. Donc, faire tout ce qu'il nous faut en termes de... Hop. En termes de fonderie, on va en faire un maximum, ce serait bien. Voilà. On va, hop, faire toutes celles qu'il nous faut. Alors. On s'arrête ici. Ok, tac, tac, super. Donc ça. Voilà, ce sont nos premières. Nous allons ensuite avoir un sol en plus de ce côté-là. Et nous aurons donc un demi-étage et à nouveau nos fonderies. Ok, nous sommes partis là-dessus pour cet épisode. Nous allons commencer par ça. Si nous avons un peu de temps, nous allons commencer peut-être à nous intéresser au béton. C'est pas encore forcément acté, mais dans l'idéal, j'aimerais bien pouvoir commencer ça. Avec nos dernières pompes en date. Sachant que ici, j'avoue que ça fait quand même un sacré bordel. Hein. Après, tu me diras, ça c'est censé disparaître tôt ou tard. C'est pas trans. Nous allons refaire un petit peu comme on avait fait. Je sais même plus du tout. Je sais plus du tout comment on l'avait fait. Je vais hop. Laisse pas une tour, comme ça je peux regarder un peu. Ok, oui, c'est ça. Donc. Le fer arrive par là. Il va nous falloir nos passages au sol. Regardez juste au niveau des points de repère pour essayer de faire un truc un peu similaire. Donc, juste avant et lui il est vers le milieu. Le fer est vers le milieu. Donc, théoriquement lui il est là et lui il est là. 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 Oubidou bidou bidou bidou. Hop. On poursuit tout ceci. Évidemment, on n'a toujours pas l'aluminium de près. On est loin de l'avoir terminé encore. Encore un peu trop tôt pour avoir nos prods de bauxite. Ce sont dans nos projets, mais ce sont des projets qui sont encore, bien évidemment, absolument pas terminés. Voilà. Donc, c'est pour ça, pour le moment, on reste sur du MK4. Au maximum. Normalement, avec toutes les... l'épisode précédent, normalement j'aurais pu gagner un petit peu de temps sur celui-ci et pas trop en perdre. Hop là. Problème. Heureusement je rencontre maintenant. Je fais le con. Hop. C'est rien de bien dramatique, mais vaut mieux que je me rende compte maintenant. Hop.
c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Une petite connerie. Alors. Là, passage au sol. Voilà. Donc là, on a toutes les entrées qui sont prêtes. Oula. Il est en train de me faire une quantité de schémas et tout ça, ça va commencer à me faire peur. Bon, en toute sincérité, oui, on a Lucas qui est en train de se promener dans la map, encore une fois. Qui est où ? Qui est où ? Qui est où ? Qui est au niveau de notre base de... Oh, il est au niveau de notre base d'origine. Oui, bah oui, il doit être dans le hub. Il est là-haut. Ah, plutôt logique. Et donc, on avait dit le fer sur la droite. Le fer sur la droite. Donc, le fer, il est là. Hop. En droit de préférence. Là, c'est une bonne chose. Le charbon, le fer, le charbon. Le fer est ici, donc le charbon va faire exactement le même trajet que sur les... C'est-à-dire qu'il va faire... Hop, tout tour par ici. Ça reste juste les insights, c'est pas non plus quelque chose d'essentiel, mais c'est bien de faire ça quand même au propre, comme ça on ne peut... On ne pourra pas se faire. Alors. Parlons du répartiteur. Est-ce que je mets ça comme ça? Parce que je sais qu'avant il s'était très serré. C'était pas forcément pratique. Si je les serre moins, certes, il faudra être déconvoyeur en intermédiaire. Mais au moins là, comme ça, on sera tranquille. Hop. Là. Là. Hop là. Hop là. 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 On y arrive. Ouais, c'est bon, on y arrive, franchement. De lingots. Hein. De ça, je vous rappelle, l'objectif c'est 3600 lingots d'acier, non même plus, 4008, précis, avec 3600 lingots de fer et 1200 de. Et 3600 de charbon. Donc là, voilà, avec ça, alors c'est un peu décalé, mais c'est pas dramatique, non, c'est loin de là. Voilà. Ça va pouvoir commencer à aller un peu à droite à gauche de partout. C'est une excellente chose. Maintenant, ici, même procédé, ce sera encore plus simple dans les faits. Ça, ensuite. Et on peut essayer de le faire droit quand même. Voilà, un peu plus aéré. C'est très bien comme ça. Ouais,
On y va doucement. On y va sûrement. Alors je vous rassure, après ces quelques épisodes où on aura fait ce bâtiment, on va repartir un petit peu sur notre map initiale. On va la délaisser un peu celle-ci, comme ça je pourrais faire un peu d'autres bricoles et en reprendre un peu plus tard. Très probablement. Au moins déjà je vous montrerai avant la fin, histoire de voir un petit peu le résultat de notre game. Mais je pense qu'on fera peut-être un autre bâtiment ou deux ensemble en fonction de nos envies. Bien que ce bâtiment déjà va nous prendre quelques temps. Mais on va très très rapidement repasser sur notre game de base. Nous tentons dans les détails puisque là je vous fais quelques petits épisodes. Il change un peu puisque habituellement on fait pas souvent beaucoup de bâtiments de prod. Même pour pas dire on en fait jamais à vrai dire. Et justement c'est peut-être un peu ça qui me fait défaut initialement. C'est que je me force à faire des bâtiments comme ça. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas touché aux usines dans notre autre série. Tout simplement parce que je ne suis pas forcément des plus inspirés avec. Notamment. Ça c'est bon. Maintenant il me faudrait. Une mine de charbon, elle est là. Normalement, c'est une mine de fer, n'est-ce pas? Ça. Et c'est celle-ci, tout simplement. Est-ce que je peux essayer de faire un hop comme ça? Est-ce que les deux se connectent bien? Attendez, je crois que j'ai pas mis ça en bon sens. Évidemment. Là. Non. Dans les fesses, ça doit être ça. Hein. Voilà. Ok, ça passe. Très bien. C'est parfait. À la limite, je vais faire la même chose ici, comme ça mon... On essaiera d'avoir des choses un peu propres. Hop là. Je l'ai encore inversé. Ok. Merde. Pourquoi j'en ai un qui est au faute? J'ai fait de la merde, sans doute. Oui, c'est ça. Voilà. Ok. Donc, ceci étant dit. Là, on va voir quelques fondations à placer. La même surface. Qu'est-ce que mes déco tout ça, ce sera un peu plus tard. On aura pour contrainte déjà la forme du bâtiment. Sachant que le bâtiment, je pense qu'il fera une forme de L. Ça va faire ça et ça potentiellement. Pour accéder aux pompes, donc il y aura peut-être probablement ce bloc là qui sera exploité. On va voir. Ou peut-être que ça ira derrière, non, quoique, puisqu'avec la centrale géothermique ça va être compliqué. Je vois pas comment on ira pour le prolongement, sachant que... Peut-être là, oui, ça va être ici. On va être même un petit peu avant, techniquement ça s'arrête ici. Ok. J'espère en avoir pas mal, oui, c'est déjà
un peu moins appréciable. On va en faire un peu plus quand même, acquis de conscience. Hop. Donc, l'arrivée du charbon, l'arrivée du fer sont bonnes. On va juste mettre les bons crafts avec les contrôles, les éclats de charge. Et là, on va repartir sur la suite. Alors. Il est sur le côté comme ça normalement. Hein? Ok, l'angle est bon. Ah, je peux pas le coller plus. Je peux ne... Ah, mais on ne colle pas plus là-dedans. Autant pour moi. Je pensais qu'il était plus serré que ça, mais non. Donc là, ça fait ça. Ah non, normalement, c'est ça. Hop. Je vais le laisser comme il était. Hein. Voilà. 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 Ok. Ça c'est une bonne chose de fait. On repart sur les passages au sol. Donc on avait dit là, là. Avec un plan, ce serait plus simple. Je vais faire un plan. Moi, ça sera quand même bien fait dans la queue. On essaie de les retirer à chaque fois qu'on mesure. J'arrive pas, allez. Proprement. Voilà. Et tout ça, on va quand même bien produire, hein. Faut qu'on en dise. Allez, hop, hop. Non, il me refait le même, hein. Voilà. Donc ça, c'est une excellente chose. Maintenant, on passe. Merde. J'ai fait le con. Oh, quel enfer. Voilà, on va retour supprimer parce que je suis un débile. J'ai voulu aller trop vite. Sans me dire qu'il fallait effectivement un étage intermédiaire. Voilà, déjà. Voilà. Ça devait arriver de toute façon. Je me suis dit, ce serait quand même bizarre que ce soit aussi rapide. Allez. Voilà. Donc. Nous allons faire, nous allons refaire la même chose, mais... un étage plus haut, comme dommage.
pas grand chose, c'est beaucoup plus loin que c'est là. Juste avec ce côté là, c'est une excellente chose. Sauf de poutre, il commence à prendre cher hein, quand même, avec tout ce que je consomme. Quand je vois ça, c'est, je me dis que c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que le circuit fonctionne quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on exploite un peu de nos ressources. Pas 100%, mais une petite partie. Quand même... Ah. C'est quand même bizarre, ça ne s'arrête jamais. Quand même, on mange certes une grosse quantité de... poutre, mais quand même à ce point là ça me paraissait un petit peu exagéré. Alors là il va me falloir, donc déjà c'est pas sur celui là c'est sur celui ci normalement, ça c'est la bonne position. Oui, ok, on y retourne. Ensuite, on retourne dans logistique, passage au sol, deuxième édition. Là, je mette le premier directement au bon endroit. C'est dommage, hein, parce qu'on avait vraiment tout fait. Après, je me plante juste sur l'étage. Là, des fois il se tourne pour des raisons qui me stoppent cœur parce que je ne touche pas la molette hein, donc il peut y avoir une raison qui fait que voilà. Ça. C'est bon. Maintenant, même principe. On a le charbon qui va partir par là. Là. Très bien. Donc lui, ça va partir. Hop. Réparateur de convoyeur. Donc on le fait réaliser par là. Hop. Centré. Oui. Hop.
me dis que juste en faisant ça... Attends, mais je... Je vais encore faire des conneries là, mais je... Alors... Où vont s'arrêter mes conneries? Jusque là. D'ailleurs, je suis pas en bon sens. Là. Ça, c'est bon. Merci. Non, je suis redécalé. Oh là 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 là. Je me trompe. C'est une catastrophe. Hein. Je fais n'importe quoi la moitié du temps. Hop, ça parce que je vais être efficace et ce qui fait que je suis contre-productif. Ok. Une fois que ceci sera bon. Hop. Bon, je tourne. Puis. Ce sera pas mal. Autant. Je suis en train de faire tout n'importe quoi, mais autant. Hop. Mais. Non! Ah, c'est... Le premier était bon, pourquoi il a tourné? Mais oui, le premier était bon. Je... je viens fou. Le jeu, je ne le maîtrise pas que ça. Tout ce temps. Mais tu quoi? Pourquoi il m'a rajouté le deuxième? Comment ça? C'est à zéro moment. Non, ça à zéro moment. Hop, allez, on part sur la suite. Hop. Youpi. Il vite fait tout ça. Un bout de cuivre lessivé. Qu'est-ce qu'il me faut comme craft encore celui-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Cuivre. Un gosse cuivre lessivé. Oh, quel enfer. C'est ça. Oh non. En fait, c'est à la fois génial et horrible en fait à faire ça. Avec du soufre et tout. Non, non, non. Là, c'est tout... Le soufre, c'est tellement précieux, je refuse. Un seul instant qu'on commence à s'intéresser à ce genre de craft. Certes, c'est rentable, mais on a tellement de gisements sur toute la map que c'est juste un truc de flemmard. Enfin, c'est pas un truc de flemmard. C'est juste que c'est une prise de tête pour pas grand chose. Là, là, là. Là, là, là. Non.
maintenant, hop, on le branche, voilà. Et comme ça, tout ça peut se répartir. Voilà. C'est beau. Tellement de lingots qui bougent dans tous les sens. Ça, j'en suis content pour le coup. Alors, ensuite, au niveau du craft. Hop, juste, on va copier. Hop, et on va le coller. On va juste s'assurer d'avoir suffisamment d'éclat de charge. On spamme dans tous les sens tout ça. Je pense que les premières lignes vont s'arrêter jusque là. Ok. Là, pareil. Ok. J'ai encore pas mal d'éclats de charge, c'est que c'est bon signe, mais dans l'absolu, il n'y a pas de raison que ça ne se mette en fonctionnement. Maintenant, on va brancher tout ça. On va brancher grâce à notamment ça. Je peux me permettre d'allègrement produire parce que fil actif, on en a une ligne de prod maintenant qui est absolument indécente. Pour l'anecdote. On produit jusqu'à 1200 par minute. Sinon, c'est le chiffre qui va régir toutes les lignes jusqu'à la fin du jeu. Ce qui paraît logique, hein, quand on sait que le MK6 est ce qu'il y a de plus efficace. Et que j'ai pas moyen de outrepasser débit là d'une quelconque manière. Ou que très peu de manière en tout cas. Voilà. Et là. Ok, on va être. Voilà. Donc ça se fait. Hop, faut juste que je trouve un endroit. Oh, je passe le courant. Oh, vous savez quoi, ça va être par là. Pas une si mauvaise idée, en plus il y a déjà une partie ici, donc autant. Enfin oui, c'est même une très bonne idée. Voilà. Là. Voilà. Bon, pour le moment, c'est juste un gros bloc, hein. On va pas se mentir, c'est. Ça, c'est être plus attrayant, je l'admets, à juste titre. Et on veut bien trouver des solutions. Alors, c'est trois blocs de haut en plus. On va mettre les murs. Là, d'accord, c'est 3, puis après c'est 1. Mon plafond doit mettre, ok. Hop. Ça, je ne sais pas si ça sera dans la version définitive, ce sol, mais au moins, je le garde en tant que point de repère. C'est une excellente chose. Voilà. Donc, deuxième partie, deuxième édition.
là, là. Là, ok. Doucement mais progressivement on finit tout ça. J'en aurai entamé une bonne partie de l'épisode. Bien que on a fait, je pense, plus que ce qui avait été je dirais pas plus que ce qu'on a fait lors du précédent épisode, mais quand même. Comme des. Une efficacité qui est, je trouve, un peu plus importante. Ok, bon. Ça c'est chose faite. Maintenant. Je branche. C'est une certitude aussi. Ok. Dans un, donc j'imagine que ça va l'être aussi pour l'autre. Non, pas ici. Bingo. Même principe. Hop. Hop. Hop là. Maintenant. Déjà, c'est vrai qu'ici, tout fonctionne. Tout est en bleu. Ok, tout est en bleu jusqu'au bout, donc c'est bon signe. C'est-à-dire que le copier-coller est bien passé. Ok. Ensuite, de ce côté-là, pareil. Hop. Hop, on regarde si toutes les petites diodes sont en bleu. Ce qui est le cas. Ok, très bien. Donc tout est fonctionnel. Tout est fonctionnel. Tous ont un apport en ressources et tous. Alors, c'est à la je trouve ça très stylé et très angoissant à la fois. C'est... Poutre en aluminium. Hein ? C'est... Non ? Donc c'est dans les poutres ? Oh. Quelle horreur. Quelle horreur ce truc. Non, on va être très bien avec ça. On est très très bien. Ouais, mais je les ai pas boostés à fond, elle, c'est pour ça aussi. Hop! Là, ça va leur faire du bien. Voilà, beaucoup mieux. Voilà. Attends, mais c'est impur ou c'est normal celui-là? Non, c'est impur. J'avais pas une MK2 non plus. Voilà. Allez. Ça va fonctionner à fond. Et ça, c'est bien une MK2, on est d'accord. Ouais. Bon, ça, j'étais en mode de débit et deux fois plus faible, c'est bizarre, mais c'est normal. Hop, ça. Sans stand-by, tout le reste fonctionne à fond. Des lingots en acier en voiture, voilà. C'est une excellente chose. Tout ça, on le cachera dans un futur plus ou moins proche. On va essayer de mettre un petit revêtement tac-tac et on mettra potentiellement un peu de lumière, ça c'est pas un souci. Alors.
La question que je me pose, c'est... Combien j'en ai déjà qui me... Alors, c'était où ? Là, et donc là, hop, aussi. Donc ça veut dire qu'il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 2. 1002. Ok, donc on a un peu plus que ce qu'on a besoin. Donc là, on en a... Attendez. Je fais un petit calcul, bah c'est simple. Attends, je peux le faire là, celui-là. 1002 fois 1, 2, 3, 4,5. On a 5400 lingots d'acier. Ce qui est une très bonne chose. En l'énigme, c'est... Je les mets... Je les extrais où? Parce que certes, il y en a 1200 qui partent là-bas. Ce qui n'est pas une si mauvaise chose, ce qui est même plutôt bien. Ça peut me permettre d'apporter de l'acier à d'autres endroits qu'ici. Bah, je pense que le... Le plus intéressant maintenant, dans sachant qu'on a, c'est comme, je fais combien déjà? Je dois avoir 10 plus 5 normalement, je vérifie quand même. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais. Donc 15. Alors c'est 15 fois combien en consommation? C'est 15 fois 80. Donc N. 15 fois 80 fait 1002. Ok, donc on consomme bien tout de tous. Donc c'est bon. Ok, je voulais juste m'assurer de ça, que les chiffres soient bons. Parce que j'ai fait la petite erreur justement avec la précédente, avec ma fonderie justement. J'avais fait une erreur de calcul qui m'a forcé à exploiter un de mes pipelines que j'avais anticipé pour faire autre chose. C'est pas dramatique, mais ce qui peut être un petit peu embêtant quand même. Attendez. Voilà, un peu de végétation ambiante en moins. C'est bien, c'est que, en tout cas, on est vraiment établi sur un quart de la map. Hein. Vraiment, on est sur ce quart-là. Là, on a plus rien. On a rien du tout. On a encore tout laissé vierge pour le moment. Et pourtant, on avance vraiment bien. On avance vraiment bien sur la map et sur notre développement. Bon, ça... ça avance doucement. On va voir dans les faits. Donc, la dernière fonderie, elle est où? Elle est là. Donc, il faudrait un point de repère par là. Ok. Combien? Parce que la jonction, elle est là. Alors, on va tester. Ouais, mais non. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, sachant que j'ai 1008. Interesting, most pioneers already had coal power set up by this point because they understood their responsibility to humanity. Merde. J'ai pas fait le bâtiment que je voulais. Attitude metrics. Reminder, coal power generators require coal. Merde, j'ai pas fait... ça ressemble... C'est pour moi, physiquement, ça ressemble. Non, ce que je voulais, c'était plutôt... Je peux faire du lessivé. Ouais, mais c'est un enfer, hein. C'est un enfer, c'est se complexifier la vie pour pas grand chose. Béton humide, c'est très bien. Donc 120 minerais. Donc sachant que j'ai 1008. Donc ça nous fait 1800 divisé par 120. Non, merde. Divisé par 120. Fait 15 raffineries. 15 raffineries, ça veut dire qu'il me faut 3 fois ça. Dans les faits, si je pense à ce lac là. On peut y arriver. On peut y arriver sans trop de problèmes. Faut juste que j'arrive à trouver un endroit, un truc pas trop moche pour pouvoir extraire le ME qui est ici et le pouvoir le rentabiliser assez facilement. Ça, c'est une autre problématique que je n'ai pas encore définie, à vrai dire.
Ceci étant dit. Comment on se démerde? Donc là... Est-ce que je pars sur un principe? Hop, je monte directement comme ça. Est-ce que je fais ça autrement? Que, alors, si, dans ce couloir-là, je pourrais ramener toutes les lingots. Ouais, je pourrais faire ça. On va faire ça même, d'ailleurs. Hop. Alors, on va dire... Alors, cela fera qu'on les fusionne, donc les deux premiers. Et on va voir comment on va les faire. Alors. On va aller au plus simple. J'imagine que j'ai dû mettre ça sur l'injonction. Non, même pas sur l'injonction, j'ai mis ça juste avant. Ok. Tac. Mettre ça comme ça. Donc. Là. On a toute la zone. Là. Là, je fais la ligne la plus difficile. Mais pas non plus. Impossible, on l'a, mais... Juste... Hop, là. Juste dégager tout ça. Voilà. Bien. Hop, je veux plus tard que ça. Ça. Je veux plus tard que ça. Je veux plus tard que ça. Et quoi? Ok. Ensuite, donc ce couloir-là, il va bouger, il ne va pas bouger, celui-ci, ça en vrai, ça, tout ça ne me sert à rien. Toute cette zone-là, c'est juste du vent pour le moment, donc autant la retirer. Bon, une idée concrète. Hop, là. De l'espace que je veux occuper. Ouais, normalement l'espace va être comme ça, je vais dire. Donc, hop, tu vas là, peut-être un petit peu avant histoire que ça évite de fusionner dans le mur. Hop, hop. Ça, ça passe. Hop. Ensuite, ici, même process. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ces 5 là, bon, on va les laisser ensemble et on verra ce qu'on en fera plus tard. Et alors actuellement, je n'en ai aucune idée. Bah non, non, on va pas se complexifier la vie sur les choses qui ne. Ils n'en valent probablement pas la peine. Il y a un petit clic quand c'est bon, quand c'est bien centré. Là, ça n'était pas le cas. Là. Là.
Et donc là, maintenant, on a notre version définitive. On a nos premiers 1200 qui sont connectés. Donc là, ça. Hop. Alors, sachant que c'est pas forcément une ligne qui est terrible, je suis en train de me rendre compte. Elle aura 2-3 contraintes, notamment une contrainte très très simple. Alors, et on en a. À combien de lignes? 1, 2, 3. Ok. Pourquoi elle va avoir une contrainte particulière? C'est que. Celle-ci sera la seule ligne qui sera alimentée par 3 foreuses et 3 fonderies, enfin les trois parties de la fonderie. Donc, ce qui veut dire que celle-ci sera la susceptible à être le plus emmerdant en termes de production. Dans les faits, ça va aller, mais on ne sait-on jamais. Alors, j'en suis où ici? On peut s'autoriser un peu. Voilà. Et donc, d'ici, on va partir là-dedans. C'était un petit peu juste pour faire passer les 4, à moins que si je fasse une petite extension par là. Okay. On peut faire ça, ça peut être cool. Mon dieu, peut être pas trop mal. Donc elle ne bougera pas, elle bougera potentiellement mais plus tard. Elle faut que je l'amène et elle faut que je l'amène. Est-ce que je l'amène maintenant ou est-ce... Oui, si on va l'amener maintenant puisque sinon je vais avoir des problèmes avec le béton. Donc autant je l'amène maintenant. Comme ça, le calvaire du béton, on s'en occupera juste après dans le prochain épisode et comme ça après, on les fait. Mais eux, ils... Ne voulez pas dégager de mes pompes? C'est pas possible. Hop là, parfait. Ouais, je vais pouvoir même mettre ça. Comme ça, ça c'est bon. Donc le but c'est qu'on en ait un, tu vois. Ici, une sortie qui sera ici, une sortie qui sera ici. Voilà. On va voir un peu dans les faits comment on exploite le truc. Sachant que, alors peut-être que la sortie qui compose les 1500... Enfin qui compose les seulement 500... Alors, attendez. Non, attendez. Je veux peut-être faire mieux encore. On va voir ça. Tac, tac, tac. Je suis en train de faire les calculs. Alors, les calculs, là, je les fais sur ma calculatrice personnelle. Là, vous ne le verrez pas, malheureusement. Alors. Si je fais 3 d'exploitation, on passe à 150. 105. Merde. 150. Non, 105. Ah, je je fais de la merde, vous voyez rien, mais je fais de la merde. 150 x 15 fait 2200. Ah non, ça marche pas. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Ça marche aussi. Et juste, si je fais quand même un petit. Je peux peut-être essayer d'overclock juste 5. Je peux faire un petit 750. Non, c'est pas, peut-être pas nécessaire. On verra, mais c'est pas forcément une. Dans l'absolu, ultra pertinent. Surtout que déjà, encore une fois, on en fera 5, on va faire une production de 5400 lingots d'acier. Est-ce que augmenter encore plus en vaut réellement la peine? En toute sincérité, je ne pense pas. Tout ça, bientôt, on pourra les dégager pour enfin mettre des tuyaux, mettre des trucs un peu plus propres. Sachant que la prod de tuyaux, etc., on verra combien on va faire, mais... tuyaux en acier...
On peut en faire 50 par fonderie. 50 si je booste x2. Ça fait 100. Donc il en faudrait 12. Par fonderie. Ah, c'est des fonderies par contre. Donc c'est ça. Hein. C'est ça qu'il va falloir que j'intègre. Ah, c'est important à savoir ça par contre, de devoir intégrer tout ça. Puisque ça veut dire qu'il va falloir potentiellement un peu plus. Barre. 1, 2, 3, 4. Hop. Et plaque de fer renforcé. Voilà. Ça va me faire encore quelques produits supplémentaires, s'il n'est pas déplaisant. Écoutez, vous savez quoi, ces trois-là partiront, mais ils partiront tout au fond. Maintenant même. Allez. Je vais essayer de les cumuler. Alors. Hop. Bon, lui, on va le détourner un peu. Là. Tous ces groupeurs là. Hop. En sachant que lui il n'est pas. Je l'ai pas centré comme il fallait. Ça comme ça. Hop, comme ça, ça part direct dedans. Coup de lag. J'allais dire que ça non, mais oui, non. Ouh, mais le lag qui va commencer à me les briser. Heureusement que c'est la fin de l'épisode quand même. Lui ce sera 500, donc lui ce sera le plus petit filon qu'on ait en prod. Voilà. Là ça c'est bon. Eux dans l'idéal, j'arrive à les placer. Comme ça. Hop là. Ok. Tac, ça c'est pas mal. Là. On est reparti. Hop. Pas pareil que les autres, on va décaler un peu. Alors si certains peuvent se poser pourquoi je lag et pourquoi je fais pas beaucoup de jeux multijoueurs, parce que j'ai une code mère de base. Hein. Une code qu'on pourrait considérer d'instable. Et je suis très bien défendu en solo. Et que quand j'ai des lags comme ça...
Eh bien... Je regrette pas trop des fois, quand je vois ces lags que j'ai des fois. Je regrette pas trop de faire que des jeux solo. Là, c'est un petit plaisir à... Je joue sur serveur, même si bon là, je joue sur un serveur en solo, donc c'est un peu contradictoire, mais bon. Je ne m'inquiète pas. Hop. Lui, on va le mettre par là. Le décaler un peu plus parce que je vois qu'il aime pas trop. Ok, donc ça va faire que là on a de la scie qui va désormais pouvoir hop. Pour aller là pour ensuite prendre cette sortie ici. Ok, ensuite alors bien sûr que je connecte tout ça à un chose, ça peut être bien. Idem pour ici. Chose. Et on passe sur le dernier et on pourra arrêter l'épisode là. C'est simple, hein. S'il aime pas le truc, il va me le faire comprendre.
Là. Hop. Là. Le convoyeur est trop long. Casse la tienne. Ok. Voilà. Voilà. Je sais à peu près comment ça donne, mais on voit, c'est pas cool. J'ai mal, je suis plutôt convaincu. Très bien. Et bien sûr, ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt donc pour la suite. Ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est ramener le béton ici, le calcaire, le convertir en béton. Et une fois que tout ça c'est fait, directement, on part sur la construction de tuyaux et de poutres, notamment. Et peut-être, on va voir, mais dans l'idéal, il faudrait qu'on essaie de faire des stators aussi, ce serait extrêmement bien. Mais ça, c'est encore une chose qui reste à voir. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez-y.